On est dans la page 56. Alaha Amen Gimel. Dame Knushelel, Pesach, Shekoso, Shekol Echad, Ve Echad Munach. בידו יש לנהוג כמו בקידוש של שבת ויום טוב שבעל הבית או ראש המשפחה לבדו יאמר כל ברכות הקידוש בכוונה להוציא את כל השומעים מידי חובתם וכל בני הבית ישמעו ויכוונו לצאת ידי חובתם ועל זה נאמר ברוב עם הדרת מלך ובסוף כל ברכה יענו השומע אמן והלכה רווחת היא שהשומע כעונה Ils disent même le kiddush de Pessah, même que chacun il a son verre devant lui. Et puisque chacun il a son verre devant lui, alors il y en a qu'est-ce qu'ils font? Chacun ils font le kiddush à lui-même, d'accord? Mais quand même c'est conseillé. Berov amadrat melech, quand il y a beaucoup de gens qui entendent qu'il y a le papa que lui qui fait le kiddush et ils se rendent quitte. Chomea Kaone sans dire Baoro Bao Shemon. Alors c'est mieux, parce que c'est Berov Amadrat Melech. Omnam, Yesh Kama Edot Shenagot Belel Pesach Shekol Bnei Abayit Amrim Birkat Akidush Ima Mevarech Chutz Mimptichat Abracha Vechatimata Veaf Al Pi Sheyesh Lahem Al Mas Shismoch Umin Kol Makom Adif Sheyomu Kol Abracha Kula Veshavu Malchut O Sheinagu Kmo Shebiarnu Vishmeu Min Mevarech Vikavnu Latzed Nidei Chova. Par contre, il n'y en a que leur minage d'entendre le kiddush du balabait. Quoi? Comment? Rien que la fin. Donc lui, il fait la bracha du kiddush avec le balabait, avec le papa. Mais la fin, il ne dit pas. Quand il dit « Baruch ata Hashem », Kadesh Israël va Zemanim, lui, juste avant, il s'arrête, et il entend que le papa, lui, dit cette bracha, ils ont sur qui s'appuyer. Mais c'est sûr et c'est conseillé, si déjà tu commences à dire la bracha, ça va, Maranan, ok? Et tu commences après avec la Shabbat, ça, si toi, tu entends, tu le dis à haute voix, dis même après la Hatima. C'est conseillé, c'est mieux. Ou tu dis tout, quand tu as ton verre devant toi, tout le brachada qui nous dit commencement jusqu'à la fin, ou tu te rends quitte du papa que lui, on parle que le papa que lui sait bien, te rend quitte. Mais si le papa lui il avale des mots, comment tu vas faire? Tu n'es pas rendu quitte. Et là, c'est conseillé aussi, mais Shabbat, le bonhomme, il se trouve chez Pépé, et lui, il avale des mots. C'est pas joli de lui dire, Pépé, prends un livre. N'avale pas les mots. Si maintenant, Pépé, ça va, il est cool avec toi et tout cela. Tu sais, Pépé, c'est conseillé. Tu dis mot par mot comme il faut, tu penses à nous rendre quitte. Alors maintenant, si maintenant tu sais que le Pépé, lui, il va se vexer, ou etc., 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 dis avec lui le qui douche, à bas voix sans qu'il t'entende pour pas le vexer. Et à la fin, tu bois du verre, du pépé sans parler. Tu dis pas Baoro Baro Shemo. Toi, tu dis tout la bracha. Baoro Ata Hashem, Merkadesh Israël Vazemanim, tu te tais, tu dis rien. Si c'est Pessah, tu as ton verre, tu le bois après. Mais si c'est qui douche, Shabbat, tu attends que Pépé qui te donne du vin, et toi tu goûtes le vin. Vite ou l'avdafka? Non, puisque Pépé qui a bu revi'it, en shubay. S'il a bu revi'it, et si tu as vu que Pépé n'a pas bu revi'it, toi bois revi'it. Parce que si maintenant il n'a pas bu revi'it Pépé, vous n'êtes pas rendu quitte. Il y en a qui veulent dire que si maintenant tous ils ont bu un peu, et tous qu'ils ont bu un peu, ça s'appelle Revi'it. Alors c'est bon, c'est Mitztaref, Bidiyavad. Alors les Khatrila, il ne faut pas compter sur cela. C'est conseillé que, si tu as vu que Pépé qui n'a pas pu Revi'it, on parle de Rov Revi'it même. Rov Revi'it, c'est 44 000 millilitres. C'est joué. 44 millilitres. C'est combien Revi'it? Rov Revi'it, je parle. Revi'it, c'est combien? 86. 86 millilitres. Ouais.
Et 44, c'est le Rov Revit. S'il n'a pas pu Rov Revit, c'est pas rendu quitte. Alors au moins, toi, va revoir Rov Revit. On ne peut pas le mettre, c'est on lui dit, allez, vas-y, Pepe Bechavon. C'est comme Laurent Fadia. Si il sait te rendre quitte, ça va. Si il sait te rendre quitte, il dit bien, tu entends bien les mots comme il faut. C'est bon. Il faut savoir que tu te rends quitte. Comment tu peux te rendre quitte du kidouche si maintenant il prononce pas bien les mots? Jabarabadon, Koralamimratsavat, Nachon, il a pas les mots. On peut pas maintenant, tu le vexes pas sans le vexer. Il faut faire attention de ne pas vexer. Maintenant, ça c'est un. Deux, il faut que tu te rends quitte. Comment tu vas faire? Alors tu dis à voix basse. Sans que Pépé, que lui, il entend. Il entend. Mais il faut que toi tu entends quand même, qu'est-ce? Alors il y en a qui tournent à la tête un peu. Mais non, si maintenant c'est fréquent que tout le monde il dit avec Pépé, ça va. Alors là, j'ai un il dit. En ce moment, il faut être sérieux en fait. Alors, c'est d'air. C'est d'air. Il nous dit le Ras d'Alacha. Il faut faire très attention après. Il y a une condition que quand toi tu dis la bracha, tout le kiddush, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Mekadesh Yisrael Ve'Azemanim, tu réponds pas amen à la bracha du pépé, du papa. Parce que toi tu as dit à haute voix. Tu dis seulement si maintenant lui, il a dit tout le kiddush, bien comme il faut, tu as pensé à te rendre quitte. Et tu dis pas Baruch Hu Baruch Shemo, tu dis amen. Si tu n'as pas dit amen, comment tu peux te rendre quitte? Voilà, si le bonhomme n'a pas dit amen, quand même il est rendu quitte. Il faut savoir. Voilà, en fait, c'est lui qui le fait. En fait, c'est lui qui l'a fait. Il fait genre que c'est. Ah ouais. Mais quand même, si toi tu l'as fait, tu ne réponds pas amen à la bracha de Pépé. Imena mekadesh bakiba alacha ve noyedel lekabel notsi yedel chova bevachod akidush et bne beto bidin shomei kone jino kesedah seif kodem shekol echad ve echad מבנה הבית יתפוס הכוס בידו ויברך ולחש מילה במילה עם המקדש. בוא נדיס את ההלכה, יתחיל הקידוש מעומד וסדר הקידוש ברכת הגפן. Il faut savoir que on commence à faire le kidouche, on prend le verre avec les deux mains comme on l'avait dit, c'est une des conditions, c'est conseillé, l'attraper avec la main droite, le soulever, de mettre de l'eau un peu dedans, celui-là qu'il veut, et le seder c'est le boré prêt à Geffen, après Asher Baha Banu Mikol Am, après on fait Mekadesh Yisrael Vazemanim, ou Birkat Shehiyanu, et si c'est Shabbat, alors on dit avant cela, on dit comme ça, à Geffen, Asher Baha Banu Mikol Am, après on fait Boré Meoré à Esh, on dit Birkat Abdallah, Mavdil Ben Kodesh, et Kodesh, parce que c'est Motsai Shabbat. Entre Kodesh et Kodesh, Kodesh de Shabbat et Kodesh de Yom Tov. Et les vassaux, mais à l'après, on fait. De Kodesh différent. Shehihiyanu, Yakneaz, ou Shehalel Shabbat, Matri, Yom Hashishi. Et si maintenant ça tombe la veille de Shabbat, maintenant Yom Shishi, alors il faut dire Yom Hashishi aussi. Oui. Inag Asfaradim, Edo de Mizrah, les Sayem, Birkat, Agefet, Bore, Pre, Agefet, Imagim, El Besegol. Mais les chants de Minag. Il faut savoir que le minhag de Sepharad, c'est de dire Boré pri à Geffen avec, dans le guimel avec un ségol, à Geffen, et pas à Gofen, et ni à Jofen, et ni à Goifen. Ah, c'est voilà. Une témoignage sur le minhag comme ça. Et... Goifen. Papa, mais ne sais pas. Mais la minagim, qu'ils ont les minagim. À Jofen, c'est les témanim. Non, je ne parle pas maintenant des Thémanis. Et encore. Je ne dis pas maintenant les Minag et les Thémanis. Je parle maintenant de Minag, la Dote Mizra. Même les Thémanis, c'est Dote Mizra. Mais ils ont leur Minag, ils ont sur qui s'appuyer. De toute façon, je parle à un Sepharad que lui, qu'il entend. Des amis, il entend des Rabbanim et tout cela. Il nous dit le Rav. Attention. Hein? On va faire d'histoire. Non, il y a. On parle maintenant. Il y a Kout Yosef qui dit ça. Rabadi Yosef. Rabadi. Il dit comme ça.
Rav Pir, allez, Hatam Sofer. On va faire peu un chat. C'est des Gerbiens ou des Tunisiens là. Non, alors maintenant, chacun son rave. Chacun son rave. Il dit son rave. Mais de toute façon, le rave Vadia, il dit de dire à Geffen avec un Segol. Ve'en le chanot aminak. Mais ça veut dire qu'on a repris à Geffen du P. Pas un Segol avec les trois points. Ouais, Geffen. Et pas Boré Ferry à Geffen. Il y en a qui ont. Je ne parle pas maintenant. Quoi qu'il a un minak de ses ancêtres. Tu parles de Geffen dans le P. Un qu'il a un minag de ses ancêtres. Il a un minag à Botav. Qui continue. S'il veut continuer, qui continue. Moi, je parle de quelqu'un qui l'entend. Ah, je veux faire moi aussi pareil. C'est ça la tendance de l'homme. La tendance de l'homme de faire. Parce que son ami, lui, il a mis un chapeau comme ça, il veut mettre un chapeau comme ça. Parce que ça, il a une djellabia, il veut mettre aussi une djellabia. Le yinien, il est l'auditosh Torah timecha. La Torah, c'est. Imecha, c'est comme la Torah, c'est Nekeva, Lishon Nekeva. C'est grand-parents. On parle de, maintenant des Minagim à Votel. Alors maintenant, si, là, aussi, il y a des Minagim qui ont été un peu. Pas avec le temps. Il y a des Minagim qu'il faut savoir que ce n'était pas des bons Minagim. C'est des gens, ce n'est pas des grands rabbinim. Si c'est des rabbinim qu'ils ont institués. On parle pas. Mais des fois, c'est pas des rabbinim qui se disent. C'est un mec balokacha. C'est un des hommes. Monsieur balokacha, pitom. Voilà. Il y avait une région une mais fois. Mais pas pour Geffen. C'était en général. Je parle en général. Pour Geffen, c'est maintenant Minag Avotam. Et le Rabbi Dodi, c'est mieux et c'est conseillé de dire, le Minag de Sepharad, de dire à Geffen. Alors maintenant, si quelqu'un lui là, c'est Minagim des ancêtres, etc. Il peut continuer à suivre, seulement si maintenant il veut bouger un peu de son minag et de faire le minag des séfarades. Alors on dit avec Gimel, Geffen, et on dit péri et pas ferry. C'est ça qu'il dit l'Orab. Il faut savoir l'Orab, nous, il faut péri, savoir, péri, on ne touche pas péri, les Geffen. On ne bouge pas les minagim. En fait, c'est péri. C'est péri. Péri à Geffen. Oui, il y en a qui disent qu'il faut dire ferry à Geffen. Top. Moi, je ne rentre pas dans cette discussion-là. Le Rav, il nous a dit qu'il veut dire Rav. C'est normal. Donc, la prononciation, c'est péri à Geffen. Le fruit, le. Il y a des digdoukim, Abraham. C'est pas comme ça. Top. On continue. Je me barère, Cheyriyanu, Yekaven, Liftoga, Metamatsava, Marob, Ibekat, Cheyriyanu. Il faut savoir que les niveaux de Minagim ne rentrent pas dans les Minagim. Minagim. Celui-là qui veut continuer à faire son minag, il peut continuer à se faire son minag. Ok. Il dit en arabe, le minag, il dépasse la. Il peut même des fois dépasser la. Et il faut savoir que vraiment, le minag, lui, il est bon. Comment on peut savoir si le minag, il est bon? Il faut demander au rave. Il faut savoir, je vais vous raconter quelque chose. Une fois, il y avait une région dans une communauté. Que le Rav, lui, il était allergique des plantes. Et les gens, ils ne savaient pas. Et puisqu'il a trouvé ce Nian-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté toutes ses plantes. Alors, il va pas commencer à raconter sa vie aussi aux gens. Ben oui. Les gens, ils ont cru que il faut pas avoir des plantes chez eux à la maison. Toute la communauté, ils ont vu les plantes. Et c'est continué. Il y a une fois. Une communauté, un rave il est arrivé. Mais c'est beau. On ne parle pas maintenant. Peut-être c'est beau. Alors, il faut savoir maintenant où elle est la vérité. Il y avait une fois une communauté que quand ils arrivaient vers le Echal, ils ouvraient le Echal, ils se courbaient comme ça, ils ouvraient le Echal, ils prenaient les Sefer Torah et ils allaient en arrière. Comme ça, ils se redressaient. Ils ont posé, quelqu'un qui était là-bas, qui est arrivé, il dit, pourquoi vous faites comme ça? Personne ne savait répondre. Il a fait une enquête. Et j'étais fatigué. Non, dans cette communauté, la bêtise, c'est ce qu'ils avaient avant, c'était avec le plafond qui était très bas vers le Echal. Alors ils étaient obligés de se courber parce que sinon ils se retrouvaient le plafond sur la tête. Alors c'était leur communauté, c'était la possibilité pour prendre le Sefer Torah, c'était obligé de se courber. Maintenant, les enfants, ils ont vu ça.
Ils ont pas pris dans leur conscience que c'était maintenant à proche du plafond. Ils ont continué ainsi. Alors il faut savoir le minhag d'où il vient. Si c'est le minhag qui était fondé par les Chachamim, que les Chachamim, avec leur sagesse, ils ont institué le minhag. Et c'est pas pour rien ils ont institué le minhag. Okay. Alors, Vatak, c'est un bon minhag. Comment on peut savoir? D'accord? C'est des chélotes, c'est des chélotes, c'est des gdolim qui peuvent nous dire ça. De toute façon, le minhag, il est minhag. On ne bouge pas. Si le minhag, il est clair, on ne bouge pas. Le Rav Avadia, qu'est-ce qu'il est venu? Le Rav Avadia, il est venu dire la halakha. La halakha. La halakha d'après le Shulchan Aruch. La halakha d'après le chasse. Poskim. On a la Torah devant nous. Des fois, les Chachamim, dans leur région à eux, ils étaient obligés de faire ainsi. D'instituer un minhag. S'adapter à la... Pas pour s'adapter, non, des fois pour, comment on dit ça, cadrer le peuple, cadrer la communauté. Ils étaient obligés, sinon ça partait dans tous les sens. Alors, eux, avec leur chokhma, ils ont compris ainsi. Maintenant, Baruch Hashem, on se trouve dans une situation comme ici en Israël, on est Marad et Atra. Marad et Atra, c'est Marad HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Et d'après Marad HaShulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il a institué Shulchan Aruch. Si Baruch Hashem, on est arrivé en Eretz Israël, alors on doit, en général, de prendre Minhag de Ara, le Minhag d'Eretz Israël, le Minhag d'Eretz Israël qui mitzion tetzé Torah. On va Hashem Yerushalayim. De Tzion, la Torah elle va sortir. Top. On continue.